C'est lui qui croit qu'il est le patron ici chez moi, mais il n'est pas le patron. C'est pas Ali Bongo qui paye les factures ici. L'enfoiré de merde. Donc, le direct doit reprendre le direct pour montrer ce que Ali fait. Oui, ce que Ali fait au Gabon, au peuple gabonais. Oui. Il fait souffrir le peuple gabonais parce que Ali Bongo, ex-PD, croit que le Gabon, c'est à lui. Voilà, ça c'est la vidéo de tout à l'heure. Là donc, c'est au Gabon, c'est une très belle villa. Hein? Une très belle villa. Et ici, vous avez une piscine. Donc, le Gabonais a construit la piscine afin d'avoir de l'eau. L'eau de la pluie, vu qu'il pleut, pour pouvoir après utiliser cette eau pour la maison. Est-ce que c'est normal? Vous voyez la piscine? Voilà. Récupération de l'eau de la pluie. Voilà. Voilà. Donc ça, ce sont les situations à laquelle Ali fait à ce que les Gabonais vivent au Gabon. Parce que Ali adore. Il adore voir les Gabonais souffrir. Mais quand il y a des élections législatives, hein, il appelle les Gabonais de venir aux législatives. Ah bon? Attendez, j'attends un peu que le truc reprenne. Parce que ça met tentative de reconnexion. Et pourtant la connexion, elle est bonne. Mais c'est pour m'emmerder au fait. Oui. Ah là 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 là. Après, ouais. Donc, vous allez voir. Phase numéro 2. Au Gabon, vu il y a problème d'eau, les enfants se lavent dans la pluie. Ça fait mal. Voilà. Bon. Ali Bongo appelle aux Gabonais de venir aux législatives. Il appelle les Gabonais, venez aux législatives. Pendant ce temps, les Gabonais souffrent éperdument. Souffrent éperdument de quoi? Pas d'eau. Pas d'eau. Mais Ali est content. Ali est content. Ali est vachement, vachement content de faire souffrir le peuple gabonais. Un peuple qui ont le droit d'avoir de l'eau. Mais ils leur refusent l'eau. Ils leur refusent l'eau. Attendez un instant, je viens. À Libreville, la pénurie de logements entraîne depuis plusieurs années une recrudescence des bidonvilles. Des habitations dites informelles qui. Voilà. Pénurie de logements à Libreville. Pénurie de logements.
Pendant ce temps, le gonflé, il va dormir au Georges V. Au Georges V? Oui! Au Georges V. C'est parti. À Libreville, la pénurie de logements entraîne depuis plusieurs années une recrudescence des bidonvilles. Des habitations dites informelles qui, le plus souvent, sont dépourvues de l'eau courante. Face à ce déficit de logements décents, le gouvernement gabonais s'est engagé en 2010 à construire 5000 logements à faible coût par an, une promesse de campagne du président Ali Bongo. Cet habitant du bidonville Akébé Frontière salue cette initiative, mais il estime que les coûts restent trop élevés. Je sais que ces maisons qui vont peut-être au-delà des 15 millions, hein, vous voyez que c'est pas tout le monde gagne 15 millions par mois ou plus de 2 millions. Il y en a ceux qui gagnent 10 000 francs par mois, l'autre 100 000 francs, 200 000. Mais quand nous regardons, par rapport à nos maigres moyens, vraiment ces maisons ne sont pas à la portée de tout le monde. Je prends peut-être mon cas par exemple, je peux peut-être gagner quelque chose pour m'amener à soutenir le besoin de ma maison, payer mes charges, m'occuper de mes enfants, mais l'épargne je ne peux pas parce que mes moyens sont maigres. Les autorités estiment que Libreville a besoin d'environ 160 000 logements pour répondre à la demande, un nombre exagéré selon certains experts. Si on considère que la population du Gabon est d'un peu plus d'1 500 000 habitants, plutôt 1 600 000, la moitié vit à Libreville, ça fait 800 000 habitants. Une famille moyenne gabonaise, c'est 5 habitants. Hein, si on fait le calcul, 160 000 multipliés par 5, on arrive à reloger tous les Gabonais qui vivent à Libreville. Donc je pense qu'il y a quand même des gens qui sont déjà logés. Donc je pense que ce chiffre est exagéré. On peut peut-être dire 160 000 pour tout le Gabon, hein, mais c'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Il faut se focaliser sur le fait de créer tous les ans un certain nombre de programmes. Selon les prévisions du gouvernement, 35 000 logements devraient être construits à Libreville d'ici 2016. Pour les spécialistes de l'immobilier, le véritable défi du gouvernement sera de financer ces projets. Bon. Ah, c'est triste. Ah, très très triste. Ça fait mal au cœur. Un pays immensément riche. Non. Bon, donc, c'est sur l'un de ces ponts de fortune que la jeune nana, comme on l'appelle, a fait. Voilà. C'est sur l'un de ces ponts de fortune que la jeune nana, comme on l'appelait affectueusement dans son quartier, a tenté l'impossible traversée. Aux alentours de 11h, alors qu'une pluie torrentielle s'abattait sur Libreville, capitale du Gabon, la jeune fille, sans apercevoir le fond de cette rivière et les installations sur lesquelles elle essaie de traverser, prend le risque de défier ce courant qui traverse le secteur. Envahi par la montée des eaux de pluie, le pont sur lequel cette jeune fille tentait de rallier l'autre bord a été emporté en même temps que celle-ci dans le canal. Une traversée qui a tourné court et viré au drame. L'histoire a commencé, c'est une jeune fille de notre quartier âgée de 14 à 16 ans. Voilà. Comme elle travaille au petit magasin tout juste à côté, elle est d'abord venue se changer une première fois, elle est passée par ici. Mais avec la grande pluie qu'il y avait, il y avait une pression d'eau qui recouvrait toute la surface là. Donc en passant, elle n'a pas fait attention. Elle est bien passée la première fois, elle est partie se changer chez elle. Maintenant, en revenant pour retourner à son lieu de travail, elle n'a pas aperçu le trou là, comme l'eau recouvrait toute la surface là. Donc elle a perdu l'équilibre en mettant le pied dans le trou et la pression lui a emmené. On a essayé de chercher, essayé d'appeler les autorités, ils sont venus sur le terrain. La question qu'on pouvait faire pour l'instant, quand on n'a pas encore été trouvé, on a essayé de parcourir tout le chemin là, jusqu'au canal. Nous sommes même rentrés jusqu'à dans le canal. Les canals sont juste là à côté, mais on n'a pas encore trouvé le corps. Nous sommes même partis jusqu'au bord des mers, jusqu'à la fin du canal là. On n'a rien trouvé. Jusqu'en fin de journée, le corps de la jeune fille âgée de 14 ans à peu près n'a toujours pas été retrouvé et selon certaines sources, un gamin de 3 ans aurait lui aussi été victime de cette pluie dans un quartier environnant. Cette averse aurait vraisemblablement endeuillé deux familles. Voilà,
Donc c'est ça que Ali veut du peuple gabonais. Le Gabon devient une destruction massive. Le Gabon devient le cimetière atroce voulu par l'enfoiré de merde, Ali Bongo XPD. Il y a des Gabonais de ce nom, soi-disant diplômés de ce nom. Mais les diplômes, ils ont eu des diplômes de théâtre, acteurs de théâtre, qui courent comme des Tom Sawyer, qui courent comme des Hercule Berfil, à la poursuite des législatives. Est-ce que l'élection que le président Jinping a été élu démocratiquement par le peuple gabonais? Est-ce que Jinping était élu pour ne pas occuper le siège? Est-ce que ça a été dit que Jinping ne va pas s'asseoir et que vous devez courir comme des Tom Sawyer à l'élection législative? Honte à vous tous les traîtres. Honte à vous. Vous aimez l'argent facile. Vous aimez la facilité. Parce que la facilité pour vous, c'est bien. Mais est-ce que vous pensez au peuple gabonais? Vous n'en avez rien à cirer. Le peuple gabonais ne vous dit rien. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de faire souffrir le peuple gabonais? Voilà cette jeune fille de 14 ans. Elle a disparu. Elle a disparu. Elle a disparu dans l'eau. La nuit du 23 septembre, la réélection d'Ali Bongo... Elle a disparu dans l'eau. Mais est-ce que ça vous fait plaisir? Une petite fille qui a perdu sa vie dans l'eau. Hein? Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Non. Non, 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 non. Ça fait mal. Ah là 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 là. Voilà. Donc les Gabonais, vous qui voulez aller aux législatives, vous êtes les traîtres de la nation. Vous crachez sur les victimes. Tuez au QG du président Jinping. Tuez dans des ruelles au Gabon. Par des mercenaires d'Ali, qui a bien cagoulé, vous félicitez Ali d'avoir tué des Gabonais. Vous avez plus de cœur, d'accord. Voilà. Voilà le Gabon, après les pluies. Est-ce que c'est normal? Émergence. Voilà le peuple. Voilà émergence, Taliban. Tu prétends dire que tu aimes tant qui vit dans l'eau. Alors que lorsque tu prêtes serment, tu jures le bien-être social de tous les citoyens gabonais. Maintenant que vous vivez mieux, les Gabonais sont dans la précarité. Vraiment. Voilà. Donc, Ali fait souffrir le peuple gabonais. Ali aime voir le peuple gabonais dans une situation catastrophique. Parce que Ali, ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Ça fait plaisir, Ali. Hein? Ça fait plaisir. Ah non, non.
Voilà. Le Gabon, le Gabon. Voilà. Donc, des Gabonais pour rentrer chez eux. Inondation. Non. Il n'y a pas de caniveau au Gabon. Il n'y a pas de passage d'eau, de semaine, pour évacuation d'eau de pluie. Les valises de la France-Afrique et les mallettes de la France-Afrique sont à l'origine du calvaire atroce au Gabon. Mais tout ça, c'est voulu. C'est voulu. C'est voulu par la comédie de la France. La plus grande mafia. Oui, la plus grande mafia. Ça fait mal. Ça fait mal. Installé dans la province de Haute-Ouée à Francheville, en proie à une grève des miniers. Sous un soleil ardent, les visages enflés de colère, ses employés revendiquent de meilleures conditions de travail. Nos revendications sont essentiellement bas. Donc, ah, c'est malheureux. Allez, c'est reparti pour un tour. Donc lui, il a fait demi-tour avec son machin. Donc là, on passe la première et on accélère en fond. Voilà. Donc j'attends que ça récupère. Voilà. Là, c'est à Port. À Port-Gentil. Au Gabon. Oh.
Voilà, Port Gentil au Gabon. Voilà ce que Ali Bongo veut du peuple gabonais. Voilà. Donc, maintenant, là, ça va être Port Gentil Gabon. Oui. Les populations désespérées devant les inondations à Port-Gentil. C'est la constance depuis le retour des grandes pluies. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la deuxième ville du Gabon font constamment de nombreux dégâts matériels et occasionnent des pertes importantes. On dénombre plusieurs sans-abri et nombreux édifices ont les pieds dans l'eau. Les cours d'école se transforment en lac, les quartiers dits résidentiels sont dans le fond de la lac. Cette situation rejoue le problème des inondations à Port-Gentil et surtout l'absence d'une véritable canalisation des eaux dans les quartiers mal réalisés. Les eaux sont montées, il y a les câbles de courant, il y a les prises à terre qui vont s'électrocuter et après les questions de l'eau. Le bouet maritime produit l'or noir, mais l'argent va ailleurs. Le développement de la province traîne les pas. Conséquence, les habitants de la capitale économique se sont accoutumés des décennies à se retrouver impuissamment les pieds dans l'eau en saison de fortes pluies. Nous avons la route, comme vous voyez là, avec les eaux qui stagnent un peu, juste à tout dire qu'il faut un peu regarder ce problème. Situation, comme vous voyez, c'est un peu sale, un peu partout avec ces aides. Donc, on peut regarder ces problèmes par rapport à. Si c'est pas vraiment faisable, il faut vraiment voir ces situations. En sillonnant les quartiers, le piteux état des routes laisse perplexe. Les nids de poules ont fait place à des lacs artificiels, obligeant du coup les automobilistes à repasser l'épreuve du crâne. Les déplacements des populations sont rendus difficiles durant les pluies. Toitures des habitations ont volé. Une chaîne de solidarité s'impose. Nous, on peut aller chez les pompiers. C'est un peu plus. Mais on n'était pas passé par la même là. Même à la fois complètement mouillé. On a tout perdu ici. Et on peut le voir tous les amis. Tout ce qu'on demande, c'est de l'aide à nos camarades députés, Katia, Kenya, pour prendre les bonnes points. Je deviens récupéré. Un plan d'urbanisation est plus que jamais nécessaire afin que les populations sentent un réel développement de leur vie. Sans avoir étudié les phénomènes qui allaient se produire par la suite. Il y a les causes en cours, les problèmes liés à l'activité humaine, liés à l'activité aussi. Devant ces catastrophes naturelles, dans les zones sinistrées, les réactions ne tardent pas. Voilà, je vais aller là. L'inondation et l'érosion côtière sont les nouveaux défis de Port-Gentil, où l'on parle sans cesse des changements climatiques. L'heure du discours est dépassée. Les décideurs se doivent de trouver une porte de sortie devant les cris de leurs administrés.
a suivi donc au Gabon, les Gabonais souffrent immensément. À cause de qui? D'un psychopathe mythomane, Ali Bongo XPD. Oui. Oui. Voilà. Voilà. Donc nous avons bien suivi le Gabon. Arrondissement de Libreville. Derrière le collège de la Réussite, les inondations troublent le quotidien de ces populations qui ne savent plus à quel sens se vouer. On souffre ici à Wendy, papa, avec l'eau là. Maintenant, on cherche que le canal. Hein? Nous, on souffre. Regardez le maison comme ça, on ne dépense de l'argent. À mon âge, il a regardé. Dur, dur, mais c'est la réalité. Certains de ces habitants ont été contraints par la force des choses de quitter hâtivement leurs habitations sous la menace des eaux. Ici, il faut espace approprié, les enfants dans leur innocence jouent paisiblement sans être inquiétés de quoi que ce soit. Regarde, il faut déjà dégrader, regarde, nous on n'arrive pas à sortir, les enfants partent à l'école. Nous on est dans la maison là, des fois vous voyez, nous rentrons dans la maison là, juste on vide, on vide. Triste sort pour ces populations, surtout ces gamins en pleine capitale gabonaise, exposés aux diverses maladies. La situation vécue ici est un cri d'alarme, un appel au secours lancé à l'endroit des pouvoirs publics. Voilà. Donc au Gabon, Ali Bongo s'en fiche des peuples gabonais. Il prend plaisir de voir ce peuple dans l'eau. Et après, il leur dit émergence. Oh, Ali. Voilà. L'émergence. L'émergence d'Ali. Vous l'avez aussi.
C'est un mec qui ne connaît pas, ça lui fait un peu de temps.
Avait suivi au Gabon. Le Gabon, c'est ce que Ali veut que les Gabonais nagent. Ali veut que les Gabonais souffrent. Ali veut voir les Gabonais en train de nager. Et ça lui fait grandement plaisir de voir les Gabonais dans une souffrance catastrophique. Ali prend plaisir. Ali prend plaisir. Non, Ali est un psychopathe. Psychopathe, enfoiré de merde. Vous avez pris l'exemple de cette maison, et laissez-moi vous dire que dans cette maison, des gens y habitent. Ah, oui. Voilà, l'émergence d'Ali, l'émergence au Gabon. Et il y a des Gabonais qui veulent aller aux élections avec l'enfoiré de merde. L'enfoiré de merde qui a tué immensément des Gabonais. Un Biafra. Voilà. Voilà. C'est parti. Nous sommes au quartier Avea, quartier Avea au Gabon. Parce que j'aimerais que les uns et les autres comprennent effectivement les conditions de vie des Gabonais qui sont difficiles. Je ne suis pas dans un bureau de la présidence, je ne suis pas dans une douche d'une maison de la Sablière, mais je suis dans une douche du quartier Avea. Ici, on va le remarquer, Edgar, les Gabonais prennent leur douche.
pouvez imaginer, à partir de ce que vous voyez comme image, pour comprendre la difficulté qui est la leur. En regardant cette maison, je présume qu'elle a été abandonnée, parce qu'effectivement, ces derniers se sont déjà cassés la tête pour pouvoir sortir de terre quatre murs, et au fil des temps, avec l'érosion, avec le manque de moyens qui les a amenés à ne pas pouvoir l'entretenir, ils ont dû abandonner cette maison pour certainement se réfugier chez les parents. Et tout à l'heure, lorsque nous sommes arrivés, M. Bicot, nous avons constaté que des jeunes étaient en train de jouer dans ce bout. Ces eaux sont orchestrées pas par la pluie, pas qu'il y a il y a une fuite d'eau quelque part, mais il y a que ces eaux dans lesquelles les enfants jouent proviennent de la douche. Est-ce qu'au niveau de l'autre côté, là où vous connaissez, on peut imaginer les enfants jouer dans de telles conditions? Pourquoi ces enfants jouent dans ces conditions? Peut-être parce qu'il n'y a pas d'espace de jeu, il n'y a pas d'air de jeu. On imagine qu'ils le savent, parce que, ils n'ont pas pour habitude de rentrer dans les macanes. Donc on peut excuser le fait qu'ils ne le savent certainement pas, mais au moins on peut dire qu'ils suivent la télé. Ils ont des gens dans les quartiers, dans ces quartiers avec qui ils discutent tous les jours et qui leur disent la situation exacte et réelle de Mapane. Je regrette que les choses soient toujours en l'état et que les choses sont même en train de se dégrader. Vous avez pris l'exemple de cette maison et laissez-moi vous dire que dans cette maison, des gens y habitent. Ah, oui, je vous le dis. Voilà, il y a deux, trois familles qui y habitent. Dans cette maison, je le dis, il y a des gens qui y habitent, qui vivent là en permanence. N'est-ce pas? Et rien ne fait. Bon, vous voyez que si au départ il y avait eu un plan d'urbanisation, parce que c'est bien beau qu'on veut accuser les populations. Si la répartition des richesses était rationnelle, certains Gabonais ne vivraient pas dans de telles conditions. Justement, prêtez-moi l'expression. Finalement, cette répartition est faite comment? Les plus riches s'en restent de plus en plus. Les pauvres s'appauvrissent de plus en plus. Et donc, c'est une répartition inéquitable. J'aurais entendu M. Ali Bongo, chef de l'État du Gabon, dire un jour que dans son programme de société, qu'il y aurait dorénavant le partage des richesses. Le fameux partage. J'ai envie de comprendre, bien de lui poser la question de savoir, 4 ans après son accession à la magistrature suprême, qu'en est-il de ce fameux partage des richesses de notre pays? Parce que les richesses du pays n'appartiennent pas seulement à une caste de personnes, elles appartiennent à toute la population gabonaise. N'est-ce pas? Et nous remarquons même que, au lieu que ces richesses soient partagées par les Gabonais, et comme si les Gabonais étaient déjà assez rassasiés, on nous amène d'autres compatriotes venus de l'outre-mer ou d'autres continents pour venir partager ces richesses-là qui ne sont pas déjà bien reparties au sein de la population gabonaise elle-même. D'accord. Alors, ici, il y a toutes les difficultés du monde. Il y a un manque d'eau, il y a un manque d'espace de jeu pour les enfants, il y a un problème de route, il y a que les maisons sont désastreuses, et puis on va aussi remarquer, avec désolation, que si, lorsqu'il pleut, tout le monde est dans l'eau. Nous ne demandons que ça, M. Alebois, c'est quoi, comme vous le dites bien. Si elle permet de nous filmer et tout ce décor. Nous demandons que ça, les voies d'accès, quand nous prions dans le palma de Mapane, c'est parce que nous voulons des voies d'accès dans notre espace vital. C'est parce que nous voulons que les enfants de Mapane puissent s'amuser ou jouer d'une manière saine et décente. Qu'il y ait des aires de jeu, qu'il y ait, vous avez vu la distance entre l'école, le quartier dans lequel nous sommes et où se trouve la première école à proximité. Alors voici une maison qui a certainement été abandonnée à cause des inondations. Mais vous remarquez bien, le journaliste fait bien de le finir, c'est justement à cause des inondations. Et vous pouvez imaginer que quand il pleut ici, c'est pas la joie. Alors, Ali a été à Kingele. Il va généralement et régulièrement à la Sablière. Il fait beaucoup de tours dans la commune d'Akanda.
ici, nous sommes au centre-ville. Est-ce que vous pouvez espérer que ce dernier viendra peut-être faire un tour ici, en passant, histoire de s'enquérir des conditions de vie des Gabonais qui sont difficiles, comme on le dit. Mais l'objectif pour nous, c'est justement cela. Qu'Ali vienne constater. Qu'Ali, si nous prions l'Almapan, si nous prions pour dénoncer, pour interpeller les pouvoirs publics, c'est justement, ça nous fera le plus grand bien, le plus grand plaisir, que de voir un jour M. Ali Bongo, chef de l'État, qui tient les leviers du développement du Gabon, venir constater lui-même, comme il a fait à Tunguele, pas pour aller faire du semblant, pas pour aller faire du semblant, mais... Vous pensez qu'il allait faire du semblant à Kingele? Mais écoutez, 4 ans plus tard, qu'est-ce que Kingele est devenu? Il y a l'eau à Kingele désormais. Mais il n'y a pas que les problèmes d'eau à Kingele. Il y a les problèmes de logement, il y a les problèmes d'éducation, il y a les problèmes de l'épanouissement de la jeunesse, il y a les problèmes de vie quotidienne, c'est-à-dire celui-là qui n'arrive pas à trouver le pain quotidien pour nourrir sa famille, n'est-ce pas? Donc il y a une multitude de problèmes qui doivent être pris en charge par l'État. Voilà, nous demandons que l'amélioration, nous ne demandons pas ce que nous devons comme la sablière, nous demandons un temps soit peu l'amélioration des conditions de vie dans les papas. Voilà. Et ici, comme on l'a dit, la vie est non seulement difficile, et désormais elle devient impossible. Comment vivez-vous ici? Comment faites-vous vivre ici quand on sait qu'à chaque consultation électorale, il y a des gens qui viennent vous voir, qui sollicitent vos voix, et ces gens sont souvent élus, ils vous promettent des choses, ils vous promettent mondes et merveilles, mais une fois élus, ils disparaissent. Nous ici, nous vivons un monde, on ne sait pas comment il faut dire. Même au campement, les gens vivent bien. Et pourtant, vous êtes à Libreville, hein? Exactement. Et plus au 2e arrondissement, ça veut dire que après le 1er, le 2e, c'est nous ici. Nous vivons avec Albert, nous vivons avec ça, et ce que nous voyons, les gens. Mais ce qui est bizarre avec les gens que nous élisons, on ne voit pas cette amélioration-là. Moi, je ne sais pas où est-ce que où ça avance, où ça évolue. Donc, pratiquement, quand vous constatez, vous voyez les dégâts, vous voyez. On peut rentrer si ça ne vous dérange pas, mais pourquoi pas. Alors, ici. Qu'est-ce que c'est? Un banja? Un temple? Non. Ici, ce n'est pas un banja. Ici, c'est une maison. Ça occupe plus de 7 chambres. Pratiquement, oui. C'est un monsieur, un père de famille, qui nourrit pratiquement du côté paternel, maternel. Mais nous vivons les calvaires. Donc, au fur et à mesure, la maison ne fait que s'abaisser. Elle était très haute. Ouais. Mais nous vivons avec ça. Voilà. Mesdames et messieurs, l'émission Les choses du pays va au fond du détail. Nous allons là où les autres n'y vont pas. Et nous commençons là où les autres s'arrêtent. Nous allons certainement avoir un petit problème de lumière, mais c'est aussi notre manière à nous de vous présenter clairement la situation pour que ceux qui dirigent le Gabon et qui disent qu'ils nous seront heureux lorsque les Gabonais seront heureux constatent l'effectivité de la souffrance des Gabonais. Allons-y voir et touchons du doigt. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, ici, comment faites-vous pour vivre? Parce que ça va être compliqué, difficile. C'est trop complexe, ça dit qu'il n'y a même pas un mot à dire, quoi. Constater seulement. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? Nous sommes là dans un couloir. Bonjour. Bonjour. C'est quoi la cuisine? C'est une chambre. Une chambre? Oui. Il y a des gens ici? Oui, il y a des gens. Et comment font-ils pour accéder à leur chambre? Edgar, filme-nous un peu ce décor. Comment ils font pour accéder à leur chambre? Parce qu'on remarque qu'il y a de l'eau partout. Monsieur, comme vous constatez, ils ne vivent même plus. Obligés d'abandonner cette chambre-là pour aller se référer un peu ailleurs. Il y a des choses à l'intérieur. Exactement, pourquoi pas? Voyez-vous, c'est tout un dégât matériel. Et qu'avez-vous à dire? Madame, s'il vous plaît, qu'avez-vous à dire à ceux qui veulent votre bonheur, à ceux qui veulent être heureux et qui ne seront heureux que si vous êtes heureux? Venez à la lumière, s'il vous plaît. Nous vous écoutons, madame. Madame, vous avez perdu la parole? Je n'ai pas perdu la parole. Pourquoi j'ai perdu la parole? Je suis une Gabonaise, comme tout le monde. Voilà.
C'est comme ce que le président aussi de la République. En 2009, vous avez bien voté. Voilà, c'est tout. Je ne vous demande pas qui vous avez voté, mais vous avez voté. On a voté comme d'habitude. 2011, vous avez voté. On a voté. 2013, vous avez voté. On a voté. Est-ce que vos conditions de vie se sont améliorées? Est-ce que quelque chose a changé dans votre façon de vivre, dans votre environnement? Rien. Comme vous le constatez, c'est pas normal. Comment nous sommes trop fatigués. Fatigués. Chez nous. Au Gabon. Il y a lui, regarde. Il faut qu'il regarde bien. Il va peut-être déterminer aussi même le quartier. Il pourra faire quelque chose. C'est ce qu'on veut. Mais c'est pour venir soutenir tout le monde comme ça, c'est bon. Pas seulement le haut lieu comme eux-mêmes là-bas, ils vivent mieux. Et parce que de nous vivre dans les Mapal. Nous tous, nous sommes les humains. Alors, monsieur le président du Parlement de Mapal, dommage, le chien il est dépassé de la situation, Edgar. Le chien est dépassé de la situation. À côté, il y a de quoi manger quelqu'un qui va entrer dans le travail. Alors, vous puisez l'eau? Nous puisons de l'eau juste à côté, là, monsieur. Voilà. Ici, il y a déjà un canal. Je présume qu'il a été fait par les populations, histoire de canaliser les eaux. Et nous allons un peu plus en profondeur, mesdames et messieurs. Nous sommes au cœur du Mapan, avec les Mapaniens, mais aussi avec le président du Parlement de Mapan. Et c'est ici que les populations de cette zone s'approvisionnent en eau pour se laver, pour boire, pour préparer et surtout pour tout faire. Madame, venez s'il vous plaît, venez. Alors, pratiquement ici, c'est un puits, comme vous le constatez. C'est ici, nous on puise de l'eau. Quand il y a coupure d'eau dans les pompes là-bas, publiques, nous on boit cette eau, on mélange un peu l'eau de javel, tout à ce qu'on fait bouillir. Après, on met un peu le frigidaire quand on devient cette eau. Voyez-vous? Est-ce que les enfants sont en bonne santé? Est-ce que vous-même vous êtes en bonne santé en consommant cette eau? Vous-même, vous voyez, quand vous voyez comme ça, vous voyez que les enfants seront en bonne santé? Non, je suis en bonne santé. Est-ce que vous voyez là que les enfants seront en bonne santé? Mais là, cette eau-là. Qu'est-ce que lorsqu'ils sont venus vous voir ou lorsqu'ils viennent souvent vous voir, est-ce que vous les amenez ici pour leur dire c'est ici que nous puisons l'eau que nous buvons? Quand on vote, quand il y a les élections, ça dit que les gens n'ont pas le temps de visiter par-ci. Voilà. Ils sont obligés seulement de vous donner des décorations. Voilà, il faut voter la mer. Parce que c'est la mer qui le président n'y aurait plus qu'à laisser, ainsi de suite, c'est comme ça. Donc finalement, vous ne votez pas le projet, vous votez la mer. Oh, mais vous-même, vous savez que la main, c'est quoi? C'est pas les cinq doigts. Voilà, c'est ça. Mais les cinq doigts de la main doivent être unis. Mais c'est pas unis. Cette main est effectivement l'expression de ce qu'on nous présente dans les faits. Non, moi je ne vois pas ça. Moi je ne crois même plus en ça. Parce que s'il fallait que les cinq doigts se réunissent, ça veut dire que nous devions être donc, même dans les faux que nous vivons, nous devions vivre une vie un peu plus meilleur par rapport à la sablière ou bien au jour, pas plus 4 mais ce que nous vivons, c'est complètement la calvaire. Alors, moi, ce qui m'étonne et ce qui m'amuse, c'est que lorsque nos frères étrangers arrivent au Gabon, ils sont dans de meilleures conditions de vie, ils vivent peut-être même 10 fois, 15 fois, 10 000 fois mieux que les Gabonais, pendant que les Gabonais croupissent dans la misère. Comment l'expliquez-vous? Ce sont eux qui commandent le pays. On n'a jamais. On n'a pas encore attendu ça. Ça veut dire que les étrangers, peut-être qu'ils viennent avec de bons arguments, ou que nous n'en avons pas, mais pratiquement nous vivons de la bonne manière, monsieur le journaliste. Ce sont eux qui commandent le Gabon, vous disiez voilà. Tout à l'heure, madame. Ce sont eux qui commandent le Gabon. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire avec ça. Alors, mais on n'arrive pas à vivre. Normal. Vous survivez. Mais oui, on est obligé de faire. Comme ça, on va faire comment? C'est comme ça? Alors, monsieur le président du Parlement de Mapan, comment peut-on expliquer que les Gabonais soient encore en train de vivre de la sorte quand on sait ce qu'il y a comme richesse dans notre pays? Comment l'expliquez-vous? Mauvaise redistribution ou alors
manque de volonté. Ben, on va dire que c'est un manque de volonté. J'ai même envie de dire que c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que pour une petite population comme la nôtre, et avec tout ce que nous avons comme richesse, savoir qu'il y a des personnes qui vivent comme ça, c'est assez inimaginable. À l'extérieur du pays, je veux bien qu'on montre l'image d'un Gabon qui prospère, qui se développe, qui gagne, n'est-ce pas, à l'extérieur du pays, mais que quand on vient sur le lieu, on constate, et ça je vous dis, c'est près de 70% de la population libre-villoise, si ce n'est pour prendre le cas de Libreville, qui vit dans ces conditions. Près de 70% de la population. Vous pouvez imaginer un certain temps dans un pays riche comme le nôtre. Voilà. Attention, on n'est pas tombé. Ici, nous sommes sur un pont émergent et les enfants passent là tous les jours. Oui. C'est un pont émergent. Bah oui, puisque nous sommes à l'aide de l'émergence. On va appeler ça pont émergent. Nous sommes à l'aide de l'émergence. Bon, j'ai bien envie de croire qu'après votre passage, l'émergence pourra venir faire un pont digne de son nom dans ce quartier. Oui, mais les émergents ne peuvent pas être informés de vos conditions de vie dans le Mapam, dans la mesure où ils ne s'arrêtent qu'en route. Ils ne passent que par le bord de mer, le boulevard Triomphal. Encore qu'au boulevard Triomphal, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il y a tout un autre monde. Je les invite dorénavant. Je les invite dorénavant, même s'il va falloir que je leur serve de guide, je les invite dorénavant à venir visiter, à venir regarder les conditions dans lesquelles les Gabonais vivent, les réelles conditions dans lesquelles, pas les Gabonais d'Akanda, pas les Gabonais de la Sablière, pas les Gabonais de Patricat, mais les Gabonais d'Avia, d'Atlintos, de Kingélé, d'Akébé, comment ils vivent. Il faut qu'ils apportent un tant soit peu le développement. C'est pour leur bien, je dis encore bien, c'est pour leur bien. Parce que, attention à l'accumulation des colères, attention à l'accumulation des frustrations, attention à un certain nombre de dérapages qui peuvent se venir parce qu'il y aurait un ras-le-bol qui va arriver et que les gens vont dire, bon, soit tout le monde perd, soit tout le monde gagne. Parce que dans ce pays, tout le monde devrait bénéficier des richesses du pays. Alors, monsieur, vous disiez tout à l'heure qu'à cet endroit, il y avait une maison, et nous pouvons le remarquer parce que, à ce niveau, Edgar, on peut remarquer des grilles qui expliquent qu'il y avait des fenêtres, et théoriquement, là, nous sommes sur la toiture. Exactement, monsieur, comme vous le constatez, typiquement, là, nous sommes déjà sur une toiture, alors que la maison y était habitée. Voyez-vous comment la personne peut quitter et aller un peu même plus loin. Vous allez voir. Tout en vie de vous. Je sais pas si c'est... Ouais. Alors, monsieur le président, ici, les populations cohabitent avec des reptiles. Comme vous le constatez. L'État gabonais est-il faible à ce niveau en ce qui concerne l'amélioration effective des conditions de vie des Gabonais? Bon, l'État gabonais pêche à quel niveau? Parce qu'il ne faut pas aussi, jeter l'anathème trop sur l'État. L'État pêche beaucoup plus à quel niveau? L'État qui a les moyens. Oui, au niveau de l'État qui a la politique. L'État qui a les moyens, qui a la politique, n'est-ce pas? Et cette politique, c'est la politique d'assainissement, n'est-ce pas? Mais il y a aussi que le civisme des Gabonais qui favorise certaines choses dans le civisme immédiat, le civisme, voilà, de ces populations. Il y a des femmes qui sont à la cuisine, Edgar. Oui, mais là, elles ont pu avoir de quoi manger pour aujourd'hui. Je crois qu'après ça, après ces repas, elles vont encore entrer dans un processus de combat, comme on dit dans le Mapam, pour pouvoir encore avoir de quoi manger demain matin. Et regardez, là, elles sont à la cuisine.